money, 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 money. Worldlings, price tag. Money, 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 money. Worldlings, price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the no, but bling, but bling. Wanna make the world dance. Forget about the prize tag. C'est mes gars qui m'ont offert ça pour mon anniversaire. Ils doivent être bien payés, tes gars, pour, que tu... pour payer des couvertures. Je suis un mec super. C'est pour ça. Ils sont pas payés assez cher, mais... La montée en avant. Là, par contre, toi, comme beaucoup, c'est pas venu tout de suite. Ah, c'est pas venu tout de suite. Moi, j'ai été le dernier couillon de ma génération à me mettre en avant. Voilà, parce que j'étais peut-être dans une mauvaise période aussi, je gagnais pas beaucoup de courses. Moi, je me sentais super bien à cheval. Maintenant, au bout d'un moment, il a fallu que je me rende à l'évidence. Soit j'allais planter des... Soit j'allais vendre des frites... Croiser. Non, pas croiser la roche, à Bailly Berclos dans le Nord. Ou alors, il fallait que je me mette à monter en avant et... D'un jour ou l'autre, c'est venu. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a... À quel jour, quel moment? Qu'est-ce qui a fait que t'as dit, bah allez, maintenant, stop la plaisanterie? J'ai dit, il y avait un cheval que je montais le lendemain, Nikos Dante. Un cheval que j'avais une chance secondaire. J'ai dit, hop, demain en raccourci. Et j'ai gagné. Donc, à partir de là, je ne pouvais pas venir en arrière. Dans le vestiaire du bas, il y a beaucoup de jockeys. Il y avait Machcal, Raffin. Est-ce que... à cette période-là, vous en parliez de cette montée en avant. Parce que Eric, je pense que c'est certainement le jockey qui a pris le plus de critiques dans la tête. Bah ouais, moi je suis pas du genre à critiquer les gens. Je ne parle pas de toi, non, mais t'as dû entendre tout ce qui se disait, tout ce qui se faisait. C'était, on l'a traité de crapaud, Eric. Je veux dire. Bah encore maintenant. Hein. Ouais. Encore maintenant, de temps en temps. Et... Comme tu disais tout à l'heure, tu as eu les épaules solides, mais lui aussi, parce qu'il y a quand même quelques grands entraîneurs qui sont venus le moquer. Ah ouais, parce que, mais maintenant, faut mieux tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, quoi, parce qu'on voit le résultat. Eric, il est numéro 1 ou numéro 2 des jockeys. Philippe, à cette époque-là, il gagnait 80-90 courses par an. Alors à partir du moment où on gagne les courses, on est critiqué. Faut ouvrir les yeux, quoi. Je crois qu'il a eu un avantage sur tout le monde et tant mieux pour lui. Alors toi, on revient à toi. L'élément déclencheur, c'est t'en as eu marre de ne plus gagner de courses. Tu t'es dit, il faut que je tente quelque chose, c'est ça? Bah déjà, j'en gagnais plus. Alors il va falloir que je fasse quelque chose. Et puis il a fallu que je me mette à la mode. Si on veut pas être le dernier des couillons, enfin j'étais le dernier des couillons et à tenter l'aventure, mais j'ai mis trop de temps à mettre en place ça, et, alors que j'étais couillon parce que je suis allé dans le galop et cette montre-là, j'étais habitué à y être associé, donc bête. Le garçon était bête. Est-ce que c'est vexant de ne pas être appelé en premier pour monter un bon cheval? Non, parce que des bons chevaux, il n'y en a pas qu'un dans une course. Après, c'est le choix de chaque entraîneur. Ils essayent d'associer un jockey à un cheval. Moi, je suis pas du genre à monter que pour une personne. Donc après, je prends tout ce qui vient. Je me fais pas du tout de... Moi, le premier, j'ai jamais été le premier, alors... Alors, ne pas être orgueilleux, est-ce que c'est l'une des clés de la réussite de votre métier? Il faut peut-être en avoir un peu, mais pas trop. Je vais vous prendre les images parce que c'est une des rares fois que je peux filmer. Ah, justement,
Quand on est entraîneur public, est-ce qu'il savoir, il faut savoir mettre les mains dans la merde, comme pour parler vulgairement? On n'arrête pas de les foutre dans la merde, alors. Bah, il faut. Ça, on n'a pas le choix. On peut dire ça comme ça, le milieu dans la merde, mais c'est... Moi, ça me dérange pas, puis c'est un plaisir. Ça fait partie du... Ça fait partie du métier. Hein. Il y a d'autres entraîneurs qui le font pas. Bah, ils sont peut-être... Ils ont peut-être peur, hein. Ils ont peut-être peur de ça, il y a rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Faut tout pour faire un monde. Alors, sans faire de bruit, depuis quelques années, t'as réussi à faire ton trou, t'as rattrapé ton retard avec cette fameuse monte en avant sur laquelle t'es venu pas tardivement. À ton avis, t'as refait ton retard grâce à quoi? Question jockey, j'ai regagné un peu de course, voilà quoi. Après quand tu gagnes 2-3 courses, quelques courses, t'es rappelé obligatoirement et... Après, je prends les choses comme elles viennent, hein. Je me fais pas de... Grâce à quoi, je sais pas. Un petit peu de bon sens, un peu de feeling, un peu de bon feeling, des chevaux qui ont été un peu meilleurs que d'autres. Voilà quoi, opportuniste, il y a plein de choses. J'ai été appelé pour... Parce que Eric pouvait pas monter un cheval, alors j'ai gagné avec ce cheval-là, voilà quoi. Après, il y a plein de choses qui font que ça se passe bien, que tu regagnes des courses et voilà quoi. De toute façon, je me suis jamais battu pour être étrier d'or. De toute façon, chez nous dans le Nord, on n'a pas assez de courses montées pour le devenir, donc voilà, le problème est résolu. À San Francisco, en avion. En avion ou en camping-car? Bah, on va en avion jusqu'à San Francisco. Il y a pas que tu voudras venir... Je crois que ça va pas être possible. Non. Je crois pas. Qu'est-ce qui a demandé ça? T'as pas? Non, c'est moi. Je vais te demander. Ouais, t'es gentil. Tu supportes pas le bateau, c'est pour ça que tu vas pas à San Francisco? Exactement. Vous n'avez pas le bien, mais c'est pas mon... Ouais, j'aime bien le bateau, mais disons que les dernières vacances ont été un peu chaotiques sur le bateau. On a donné un peu à manger aux poissons. Mais au moins, je le sais, comme ça. J'ai fait ma BA de la journée, j'ai donné à manger. Pierrot, plus sérieusement, tes chevaux, tu les entraînes au chrono? Ouais, je les entraîne au chrono parce que ben c'est une question d'habitude et puis c'est des repères. Il y a des fois où il y a des tours où on va un peu trop vite et donc ça nous permet de régler l'allure. Après j'aime bien ça, c'est une question d'habitude. Après, même pour courir, je rêve avec le chrono. Alors. C'est des bons repères. Après, mes parents étaient. Mon père était comme ça, Guy est amené avec le chrono. J'ai toujours été habitué à les voir travailler comme ça. Et... Moi, j'ai gardé ça. Puis ça me va bien en plus. J'arrive à m'en sortir. Et maintenant, en chrono, on met des ficelles donc. Je les perds pas. Est-ce que tu as eu des gros moments de doute dans ta carrière au point d'être à deux doigts d'arrêter? Jamais. Je ne baisserai jamais les bras. Est-ce que la multiplication des courses qui t'a fait gagner beaucoup d'argent, est-ce que pour toi c'est le bénéfice que tu en as tiré? Est-ce que le jeu en valait la chandelle tout simplement? Le jeu en vaut la chandelle, oui. Financièrement, oui. Physiquement, est-ce qu'on pourra tenir 20-25 ans comme ça? Pas persuadé.
l'avenir de Pierre-Yves Verva et des courses sont liés? Bah, je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Comment tu le vois, cet avenir? Bah, on va être au parti, on va être... on va essayer de mettre les choses en valeur, les courses... les courses... C'est une question piège? Non. Repose-la ta question. Bah, je te demande juste comment tu vois ton avenir. Ah oui, mon avenir... Bien. Mais bien. L'avenir des courses et ton avenir, c'est lié. C'est lié. Je veux dire, c'est... Si mon avenir, mais je le vois bien. L'avenir des courses, ça sera peut-être un peu plus dur. Ça va, Marine? C'est la petite copine d'Erwan. On va tout savoir, c'est Secret Story. Moi, je vois bien mon avenir. Ça fait 2 ans qu'on est installé. La première année, on a gagné 25 courses. Cette année, on est à 30 courses. En tant que driver, que cash driver, j'ai fait 3 super années. Ces derniers jockeys, je remonte un peu plus que par le passé. Voilà, quoi. Je suis comblé. J'ai une petite famille bien charmante. Mes 2 filles, elles sont en forme, elles ont la santé. Voilà, quoi. On est heureux. Alors, je vais te poser la question différemment. J'avais préparé une autre question. Tu vas peut-être voir où je vais en venir. En 2015, le Grand Prix de l'UET passe de 400 000 euros à 350 000 euros. C'est une baisse des allocations, donc de 12,5%. Est-ce que tu t'attends à une baisse générale des allocations de course dans un proche avenir, et comment vas-tu y pallier? Comment on va y pallier? On va en planter des patates au milieu. Plus sérieusement? Comment il va pallier? Je sais pas. Maintenant, il va falloir voir l'évolution de tout ça. Tu t'y attends quand même à ce que les allocations... Bah, je m'y attends, oui, parce que de toute façon, je pense qu'on est arrivé au summum des allocations qui pouvaient nous être versées. De toute façon, ça peut pas être... On peut pas être au soleil tout le temps. Maintenant, comment il faut pallier, je sais pas, il va falloir trouver des astuces. On va quitter la France. J'ai l'impression que par rapport aux professionnels, c'est vraiment une question super tabou. L'avenir non, des cours, c'est... Non, c'est pas tabou, c'est... Franchement, là, je suis en train de vivre quelque chose de formidable, quoi. Je viens de m'installer et là, tu me casses les couilles en disant demain il va plus y avoir de course. Alors arrête, à quoi ça sert? Mes 2 camions, je les revends et puis voilà, quoi. Non, j'ai pas envie de penser à ça. J'ai envie que la machine marche encore un sacré moment et j'espère qu'on va y pallier. Qu'on va réussir à trouver des parades, ouais, à tous ces petits problèmes. Maintenant, de toute façon, pour pallier à ça, il faut qu'il y ait du jeu. Pour qu'il y ait du jeu, il faut qu'il y ait des turfistes. Voilà, c'est tout simple. Il faut pas besoin de tourner en rond. Faut faire venir les gens aux courses. Faut les faire. Faut qu'ils viennent aux courses. Pour les faire venir aux courses, il faut qu'il y ait du spectacle. Donc voilà, le spectacle, c'est nous qui le donnons. Une note positive pour finir, le meeting d'hiver, il approche. C'est l'événement que tous les trotteurs attendent. Est-ce qu'on peut dire que ça se présente bien pour toi? Meeting d'hiver, oui, c'est important parce qu'il y a les grosses échéances de l'année dans le trot. Mais après, moi, je suis... Je fais pas une fixation sur le meeting d'hiver, quoi. Je fais pas mon année en 4 mois ou 5 mois du meeting d'hiver. Il faut que je fasse tourner la maison durant toute l'année. Donc je fais pas une fixation sur le meeting d'hiver. Maintenant, j'ai 2-3 chevaux qui vont courir, 3-4 chevaux. Et on va essayer de se défendre comme on peut contre les grosses boîtes qui attendent que ça. Et ils ont les
les couteaux entre les dents, ils voient en rouge, enfin bref, c'est... Mais bon, c'est bien, c'est... Ça fait partie du jeu, on les connaît, mais de toute façon, ils vont pas gagner toutes les courses, hein. De ce côté-là, on est tranquille. On va manger, tout le monde va manger, et voilà quoi. Mais ils me font pas peur. What can I do? I'm addicted to you, to you, to you. Oh, I'm addicted to you, to you. I don't know just how it happened. I let time.